Le chiffre 3 représente la Trinité, la séparation des sphères. Les 3 qui sont les 4 représentant les divisions du temple. Commencé dans les ténèbres, mon voyage ne pouvait s'achever qu'en lumière. J'avais enfin marqué le site, là, au centre de l'espace le plus sacré. Au sommet de la montagne, le lieu brillait sous le feu du soleil de midi. Il était gardé par les 3 tours des cavaliers, comme sur un échiquier. J'étais donc à mon tour, cavalier sur le coursier divin, chevauchant l'abîme. Voilà, les divisions du temple. Voici le porche en bas, vers le bec. Le milieu représente le sanctuaire et la 3e partie, au nord, doit être le Saint des Saints. Le centre du Saint des Saints. Je crois bien que c'est le site. Il se trouve sur le mont Cardou. Je vais noter les coordonnées. À la fenêtre de la maison ruinée, je contemplais à travers les arbres dépouillés par l'automne le sommet de la montagne. Près de moi, une présence, les pieds dans l'eau comme celui qui vient de recevoir le sceau du baptême. Je me rappelle l'inscription « Et in Arcadia ego ». Par une inspiration très personnelle, j'ai trouvé les 3 manquantes. La poussière s'est dissipée, et j'ai enfin vu. Malédiction, je connais la vérité. Il est la mort. Le pain brisé demeure sous l'autel. Et in Arcadia ego sum. Voici le mot manquant. Oh mon Dieu, je veux dire, oh mon Dieu. Mais le pire reste encore à venir. Combien ont saccagé la maison en utilisant les choses les plus sacrées à des fins les plus ignobles. Je me tourne vers le nord. Face à moi, je vois, déroulant sans fin ses anneaux, l'énorme serpent rouge
mentionnée dans les parchemins salés et amers. L'énorme bête déchaînée au pied de la colline blanche devient rouge de colère et saoule d'avoir volé et profané la communion. Retire-moi de la boue. Oui, c'est ça. C'est le serpent rouge. Bizarre. Ça doit indiquer quelque chose. De celle que je désirais libérer, montaient vers moi les effluves du parfum qui imprégnèrent le sépulcre. Je maudissais les profanateurs dans leurs cendres et ceux qui vivent sur leurs traces, en sortant de l'abîme où j'étais plongée en accomplissant le geste d'horreur. Voilà la preuve que je connaissais le secret du sceau de Salomon et les lieux secrets de la reine qui veille sur le roi. Fais attention, l'ami. Il ne faut pas ajouter ni enlever un iota. Réfléchis encore. Mes paroles peuvent être de la plus haute importance. À celui qui passe de faire le bien. Je laisse tomber le serpent rouge pendant quelque temps. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas encore trouvé? Je commence à me décourager. Je pensais qu'avec les pistes si prometteuses du Dr. Wen et tout ce que nous avons trouvé... On ne doit pas abandonner maintenant, Lily. Peut-être. Oh, pourquoi ne pas tout simplement payer quelqu'un pour creuser? Moi, j'en suis incapable avec ma tendinite. Et toi, darling, sans vouloir te vexer, tu es si lente. Je fais ce que je peux. Estelle? Sorry. De toute façon, tu as dit qu'on ne pouvait pas mettre qui que ce soit d'autre sur l'affaire. Je sais ce que j'ai dit. Oh my, le Dr. Wen doit avoir raison, n'est-ce pas? La graine sacrée doit se trouver ici. Autrement, comment expliquer cette cachette remplie d'objets égyptiens qu'il a trouvée ici en 1963? But of course, c'est ici. On termine au site aujourd'hui et ce soir. On vérifie à nouveau les cartes. Sans moi, je te le dis tout net, si nous ne trouvons rien, je ne fais pas un pas de plus. Please, ne dis pas cela, Lily. Tout ira bien. Je préférais mettre la langue dans une prise électrique. Je vais chercher la moto. Voici la face arrière du mont Cardo. Mais je pense que la pointe exacte de l'hexagramme est plus haut, dans cette direction. Qui étaient les rois mages? Qui laisse toutes ces notes? Je ne devrais plus être bien loin.
C'est juste là, sous ce tas de rochers. Un mouchoir rouge. Wilkes n'en avait-il pas un comme celui-ci? Il a dû trouver cet endroit. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été tué. Je ferais mieux d'aller chercher la pelle. Ah, je le savais. Où était Osiris lorsque l'étoile brillait au-dessus de Bethléem? Je préfère attendre Gabriel. Il fait plutôt noir là-dedans. Je crois qu'il faut que je grimpe là-haut pour vérifier. Waouh ! Sacrée épreuve pour les nerfs. Je ne dois pas être loin. Ceux qui cherchaient à voler le vin sacré sont encore à sa recherche aujourd'hui. Oh mon Dieu, ça parle des vampires ! Je ferais mieux d'aller chercher la pelle. Je dois tenter ma chance. C'est ce que je pensais. Si le trésor est là-dessous, il est bien caché. Cette montagne, c'est du solide. Hey, quelqu'un s'est garé près du gros rocher orange de l'autre côté de la route principale. VDG 945F. Je me demande qui cela peut bien être. Ouais, c'est le moment de faire marcher l'huile de coude. Le manuscrit de Larry. Pourquoi est-ce que cela ne me surprend pas? Il est encore sous sa couverture en plastique.
Voilà qui pourrait nous donner de nouvelles pistes. Ah ah ! J'en ai une ! Ah ah ! Voici une empreinte. En voici une deuxième. Trois empreintes. Je pense qu'on les a toutes. Lady Howard est une vraie esclavagiste. Je n'aimerais pas être à la place d'Estelle. Vous trouvez quelque chose, Estelle ? Pas encore. Mais comment avez-vous choisi cet endroit ? Nous avons nos sources. C'est une analyse tout à fait sensée. C'est assez compliqué à expliquer. Of course, nous n'avons aucun mérite. Ce cher Dr. Wen, espérons que le Dr. Wen est très zen. Ha ha ha. Dr. Wen, hein? Il devrait se payer un ordinateur. N'est-il pas charmant de voir des animaux dans leur habitat naturel? C'est un singe qui entre dans un bar. Salut. Salut, Grace. Tu as trouvé quelque chose? Pas vraiment, et toi? J'y travaille. Bon, je vais y aller. C'est la voiture du prince James, on ne l'attendait pas celui-là. Je ne préfère pas la regarder de trop près, mes yeux sont trop sensibles pour supporter un roux aussi criard. Tiens, tiens, vous cherchez de la chair fraîche ? Oh, je croyais que vous étiez quelqu'un. Sacré hauteur, hein? Si vous avez peur du vide, mon chou, vous ne devriez pas monter si haut. Je suppose que vous n'avez pas grand-chose à craindre de l'altitude, n'est-ce pas? Je ne crains rien. Où sont les garçons, au fait? Pas très loin. Alors je suis sûre qu'ils me trouveront. Je regrette. La femme de chambre frappe à la porte, mais personne ne répond. Monsieur Knight a dû sortir. Merci beaucoup. Je réessayerai plus tard. Grace ? Bonjour, James. Ravi de vous revoir. Je cherchais Gabriel. Il est dans la vallée, je pense. Il travaille sur l'enquête. A-t-il trouvé quelque chose ? Je pense, mais il vous le dira lui-même. Je vois. D'accord. Je réside à la Villa Bethany. On me l'a généreusement prêtée. Voulez-vous lui demander de passer me voir dès qu'il sera de retour ? Bien sûr. Merci, Grace.
working. Kelly, quel faucheton! Working. Ha ha! Madeline a eu le manuscrit dans les mains. Working. Qui laisse toutes ces notes? Qui peut savoir exactement où je vais? Même Gabriel ne sait pas ce que je suis en train de faire. Ça ne le préoccupe pas d'ailleurs. Osiris faisait partie de l'étoile des rois mages. Et on dirait qu'elle va ou qu'elle vient de revenir encore à la même configuration. Je n'ai plus qu'une strophe, Capricorne. De celle que je désirais libérer, montaient vers moi les effluves du parfum qui imprégnèrent le sépulcre. Je maudissais les profanateurs dans leurs cendres et ceux qui vivent sur leurs traces en sortant de l'abîme où j'étais plongée en accomplissant le geste d'orgueil. Voilà la preuve que je connaissais le secret du sceau de Salomon et les lieux secrets de la reine qui veille sur le roi. Ils doivent parler de descendre dans la grotte. Fais attention, l'ami. Il ne faut pas ajouter ni enlever un iota. Réfléchis encore. Mes paroles peuvent être de la plus haute importance. À celui qui passe de faire le bien. Bonjour. Bonjour, Mosley. Tu es de retour? Ouais, Gabriel et moi, on s'est expliqué. Ah bon? Oui, je pense que mon petit secret est bien connu maintenant. Est-ce que Gabriel est ici? Sidney m'a vraiment révélé des choses intéressantes. Ouais, il voulait que je passe te chercher. Il organise une réunion dans la salle à manger. Une réunion? Ça promet d'être intéressant. Quoi de neuf? Une minute, Gracie. Assieds-toi un peu, tu veux?
Bon, allez, la fête est finie. Je veux savoir ce qui se passe et je veux le savoir tout de suite. Et je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Moi non plus. Bon, je vais vous mettre sur la voie. Tout à l'heure, il y avait un manuscrit non publié dans ma chambre. Quelqu'un a pris ce manuscrit et ce quelqu'un, c'était... Mosley. Peu après, il a été pris au premier voleur par... Madeleine Butan. Le deuxième voleur n'a pas pu le garder non plus. Alors il a été volé une troisième fois par... Vittorio Buchelli. Et le troisième voleur s'en est débarrassé en... L'enterrant. Vraiment? Ouais. Tout ceci est scandaleux, vous n'avez aucune preuve. Ah oui, lui, il peut le prouver. Chacun de vous a laissé des empreintes. Santacello. Ah, merde. J'avoue, j'ai effectivement pris le manuscrit. Mais je ne l'ai pas fait par intérêt personnel. Je suis... de la CIA. Ah, voilà qui explique tout. Scandaleux. Bon sang, Mose. Félicitations. Merci. Mademoiselle Butan, c'est quoi votre excuse à vous? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah bon? Commençons par le fait que vous soyez incroyablement équipée pour une guide touristique. Je suis quelqu'un de très technique. Et une tueuse aussi. Je pense que vous appartenez au service secret français. Un jour, ça va vous coûter cher d'être aussi intelligent. Et vous, signore, où dois-je vous appeler, mon père? Il n'est pas interdit pour un prêtre de voyager sans son col blanc. Mais vous n'êtes pas un prêtre ordinaire, n'est-ce pas? Vous êtes arrivé de Rome en train et pourtant vous avez menti en disant venir de Naples. Pourquoi inventer ce mensonge si vous n'avez rien à cacher? Comme par exemple le fait que vous soyez envoyé par le Vatican. Et ça, ce n'est pas un crime non plus que je sache. Mais voler des manuscrits, ça c'est un crime. Peut-être est-il temps pour vous de nous révéler vos secrets, Gabriel. Bien sûr. Je suis détective privé. Je suis ici pour enquêter sur l'enlèvement du fils du prince James d'Albany. Le fils de James Stewart a été kidnappé. Quand est-ce arrivé? Vous n'étiez vraiment pas au courant. Aucun de vous. Non. Certamente non. Je suis simplement venu observer les activités de la région. Le Vatican pense que des clans subversifs tentent d'inventer des histoires. Ou même de mettre en scène certaines découvertes. De travestir la vérité. Naturellement, l'Église souhaite empêcher cela et éviter que des rumeurs se répandent. Vous avez peut-être raison, signore. Mais nous sommes convaincus que quelque chose est enterré près de Rennes-le-Château. C'est pour cette raison qu'on vous a confié cette mission? Je surveille Rennes-le-Château depuis quelques années. Il y a certains intérêts politiques en jeu, des intérêts qui pourraient ne pas contribuer à une stabilité durable de l'actuel gouvernement français. En plus, si une découverte archéologique est faite par ici, elle sera récupérée par les autorités françaises. Nous voulons être sûrs que rien ne sort du pays sans notre autorisation. Je croyais qu'il fallait un permis spécial pour entreprendre des fouilles archéologiques d'une certaine envergure. En théorie, plusieurs groupes ont déposé une demande de permis. Mais nous ne pouvons les interdire qu'un certain temps. Moz ? La CIA pense qu'il se passe des choses ici entre les francs-maçons, le prieuré, les chevaliers de l'ordre de Malte et qui tu voudras. Nous devons nous assurer que nos intérêts sont bien protégés. On ne change pas facilement les vieilles habitudes aux États-Unis. Ils m'ont envoyé dans cette histoire pour me tester, je pense. Ils ne voulaient pas mettre un membre officiel de la CIA, quelqu'un qui pourrait être identifié sur le coup. Mais je serai sûrement engagé à plein temps quand je rentrerai. Et vos fouilles alors, monsieur? Les services de renseignement ont eu cette information de je ne sais où. Moi, je devais juste vérifier. Alors, c'est la CIA qui s'était infiltrée dans notre système informatique? Nous pensions que c'était le prieuré. Et ça n'était pas notre première théorie. Nos experts en décodage travaillent dessus quand ils en ont le temps. Et il semble qu'ils ont encore échoué. Exact? Je n'ai rien trouvé du tout. Et maintenant, pouvons-nous partir?
Je suppose que vous n'avez pas trouvé votre kidnappeur parmi nous. On dirait que non. Vous avez été très habile, mais vous n'avez pas encore réussi à tout obtenir de moi. Pourquoi ne pas me rendre visite dans ma chambre et insister un peu ? Et moi qui pensais que les ceintures de chasteté étaient cruelles et sexistes, je comprends mieux leur utilité. Je ne pense pas qu'il en existe une assez solide pour Madeline. Merci d'avoir retrouvé le manuscrit. Où était-il ? Bukeli l'avait enterré dans la vallée. J'ai vu sa moto depuis Blanchefort. Beau boulot, Grace, comme toujours. Le prince James est à la Villa Bethany. Il désire te voir. Je l'aurais parié. Et on a bien avancé sur le trésor. Grâce à Sydney, j'ai pu... Je viendrai plus tard, d'accord ? Comme tu voudras. On peut parler de l'affaire une minute ? Bien sûr. Je pensais à notre liste de suspects. Larry et James sont des francs-maçons. L'abbé fait partie du prieuré. Je pense qu'on peut les rayer de la liste. D'accord. Bukeli est du Vatican. Madeline appartient au service secret français. Et Mosley est, Dieu nous garde, de la CIA. Ouais, ça donne envie de renoncer à la nationalité américaine. Pas vrai ? Si j'ai survécu à Ronald Reagan, je peux survivre à ça. Mais de toute façon, ça commence à ressembler à la fin des 10 petits nègres. Il ne reste plus grand monde. Il reste encore Emilio et les deux Anglaises. Allons, ils sont inoffensifs. Bon, disons, pas tout à fait inoffensifs d'un point de vue sociologique, mais certainement pas des kidnappeurs. Il y a Montreux aussi. J'ai déchiffré le serpent rouge, et il y avait un serpent rouge sur la carte avec sa queue enroulée autour du château de Serres. C'est vraiment, enfin, je veux dire, ça donne la chair de poule. Je suis d'accord. C'est notre suspect numéro un pour l'instant. J'irai à Serres plus tard. En attendant, garde un œil sur Emilio, Lady Howard et Estelle. D'accord, mais sois prudent. Je dois d'abord décider de ce que je veux provoquer comme réaction avant de lui en parler. Faut que j'assure cette fois. Tu as dit que Sydney t'avait appris des choses. Oui, je te l'ai dit plusieurs fois. Bon, qu'est-ce que tu as trouvé ? Plein de choses qui ne t'intéressent sûrement pas. Mais ça m'a permis de trouver l'entrée d'une grotte souterraine. Je pense que Wilkes l'avait découverte avant de mourir. Ça paraît prometteur. On pourrait peut-être voir ça plus tard, j'ai quelques trucs à finir d'abord. Pas de problème. Excusez-moi, monsieur Arnaud. J'aurais voulu vous demander quelque chose. Bonjour, monsieur Knight. J'aurais voulu vous demander quelque chose. De quoi s'agit-il donc ? J'aurais voulu vous poser des questions sur votre appartenance au prieuré de Sion. Où avez-vous entendu une pareille chose ? Les hommes du prince James. En fait, je travaille pour le prince James. Je suis ici pour enquêter sur l'enlèvement. Et je vois. En fait, je ne suis pas vraiment surpris. Mais je m'attendais à plus de finesse de la part des agents du prince James. Cela n'a pas d'importance. Vous n'apprendrez rien de moi. Le prieuré ne s'abaisserait jamais à enlever un enfant. Tant qu'on y est, quel genre de choses le prieuré s'abaisserait-il à commettre ? Monsieur Knight, je n'ai rien à vous dire de plus sur le prieuré. Mais souvenez-vous que tout ce que vous apprendrez du prince James ne sera jamais que leur version de l'histoire.
Le prieuré essaie d'obtenir l'autorisation de fouiller cette zone, n'est-ce pas? Oui, tout comme les francs-maçons. Naturellement, étant français, nous avons un avantage. Et que comptez-vous mettre au jour exactement? Des gens bien mieux renseignés que vous attendent encore de le savoir. Vraiment? Et vous? Ils vous l'ont dit peut-être? Vraiment? Quelle toupée! Excelsior Montreau, le propriétaire du château de Serres, est-il aussi membre du prieuré? Non, pas du tout. Pourquoi? Je me demandais, c'est tout. Le prieuré a quelques désaccords avec le prince James, pas vrai? Côté politique. Que pourriez-vous comprendre sur ces questions? Nous œuvrons depuis des siècles pour mettre la lignée sur le trône de France. Savez-vous que nous avons failli réussir? Marie-Antoinette était une desposini, et son fils aurait pu devenir roi de France. Mais cette fichue révolution a tout saboté. Ouais, les révolutions foutent toujours en l'air les conspirations à long terme. Si je comprends bien, le prieuré n'apprécierait pas que les Stuarts reviennent au pouvoir. En Écosse, peut-être, mais pas en France. Pas avec l'Union européenne. Les Habsbourg-Lorraine sont une branche beaucoup plus importante. De plus, nous aurions du mal à accepter un Écossais sur le trône. Vous comprenez, les cornemuses sont insupportables à la longue. Il existe donc vraiment un trésor? Au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors pourquoi vous n'allez pas le chercher? Les Templiers vivaient il y a très longtemps. Dites plutôt que vous ne savez pas où il se trouve. Je n'ai pas raison? Réserver des informations à une poignée d'élus n'offre pas que des avantages. Lorsque la Révolution française a éclaté, l'abbé de cette paroisse en était le gardien. Il a dû fuir vers l'Espagne. Ses archives ont complètement disparu pendant des décennies. Saunière a fini par les retrouver. Il était un vieil avare, et il était tourmenté par le grand secret. Il a vendu quelques fragments des documents pour des sommes exorbitantes. Il a fabriqué et détruit des preuves, et il est mort, sans révéler son secret. C'est pour cette raison que vous avez laissé échapper quelques informations, n'est-ce pas? Vous espériez que quelqu'un résoudrait l'énigme pour vous. Il y a un temps pour tout, et l'heure de la révélation du secret approche à grands pas. D'une manière ou d'une autre, le trésor finira par être découvert. Et quel est donc ce mystère que vous tenez tant à révéler? Un jour, bientôt, vous le saurez. À présent, veuillez m'excuser, Monsieur Knight. Je vous souhaite, bien sûr, bonne chance pour retrouver l'enfant. Je vous remercie d'avoir ramené le manuscrit, Monsieur Knight. Si j'avais su le rôle que jouait Sinclair, je ne l'aurais jamais pris. Bon, ce qui est fait est fait. Mais je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Absolument. Prince James, est-ce que vous vous considérez comme un descendant de la lignée? Aussi incongru que cela puisse vous paraître, la croyance en notre lignée et la responsabilité qui en découle a motivé tous les agissements des Stuarts depuis des siècles. Vous voyez, nous prenons notre héritage très au sérieux. Alors vous pensez que l'enlèvement est une réponse au manuscrit de Sinclair qui vous désigne à la tête de la lignée? Il ne s'agit pas seulement du manuscrit, mais... Oui. Les kidnappeurs ont-ils exigé quelque chose de votre part? Non. Écoutez, je suis prêt à renoncer au trône pour toujours, si c'est ce qu'ils veulent. Pourvu que mon fils soit sain et sauf. Mais nous ne savons même pas à qui il faut faire cette concession. Le prieuré jure de ne pas être responsable et personne d'autre n'a fait la moindre revendication. Mon Dieu, je suis au bout du rouleau. Ce n'est peut-être pas politique. Même en supposant qu'il s'agisse des visiteurs nocturnes, je ne vois pas ce qu'il voudrait à... Je suis désolé, je comprends votre inquiétude. En quoi consistent ces négociations entre les francs-maçons et le prieuré? Étant donné notre héritage commun, nous partageons une certaine sagesse et un patrimoine.
À présent que la discorde sur l'héritier de la lignée arrive à un point critique, ces choses doivent être réglées. Vous essayez d'obtenir une autorisation pour fouiller dans la région, n'est-ce pas ? Je ne sais pas où vous avez entendu une chose pareille, mais je reconnais que nous nous sommes couverts en cas d'échec des négociations. Quel genre de possession est entre les mains des francs-maçons ? Nous possédons quelques-uns des trésors sacrés des descendants de Moïse. Mais quoi, par exemple ? L'Arche d'Alliance ? Je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais les trésors de la lignée sont dispersés. Celui qui mettra la main sur l'un d'eux finira par vouloir les autres. Tous les autres. Et le prieuré, que possède-t-il d'intéressant pour vous ? Le prieuré contrôle le trésor que les Templiers n'ont pas pu emporter avec eux en Écosse, parce qu'il était littéralement intégré au paysage. Le trésor de Rennes-le-Château ? Oui, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher tant que nous n'aurons pas trouvé un accord. Vous comprenez, nous avons aussi des choses qui les intéressent. Est-ce que le motif de la vigne signifie quelque chose pour vous, ou la viticulture en général ? Oui, le vin de la communion représente le sang de Jésus, et la vigne son corps. Et la vigne, dans certains cercles, représente les Desposini, la maison de David. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de Jésus sous le nom de fruit de David. Bien sûr. Où avez-vous vu un tel motif, Monsieur Knight ? Ah, c'est dans l'église. Qu'avez-vous appris sur mon fils, Monsieur Knight ? Je veux bien vous dire certaines choses, mais s'il vous plaît, avez-vous du nouveau ? J'ai éliminé de nombreux suspects. En fait, j'allais continuer à le faire maintenant. Très bien. Mesmi et moi allons poursuivre nos efforts. Nous reverrons-nous ici ce soir ? Absolument. Et essayez de ne plus vous inquiéter. Je dois dire que j'apprécie votre ténacité, Monsieur Knight. Vraiment. Elle ne plaît pas à tout le monde, mais... Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires. À plus tard. Quel homme extraordinaire. Je vais chercher la Harley. Je l'ai. Pauvre Estelle, elle fait vraiment chien-chien fidèle à sa mémère. Monsieur Knight. Vous devriez vous arrêter avant d'atteindre le pétrole. Merci de vous soucier de moi. J'aurai bientôt fini. Rien, hein? Non, rien. Elle a tellement besoin d'argent. Lily n'est pas du genre à vivre comme tout le monde. Elle est née pour briller. Elle ne comprendrait pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Thank you.
Je vais chercher la Harley. Voilà, voilà Marceau. Le château est fermé, monsieur Knight. J'ai remarqué. N'ayant pas vu de sonnette à la grille, je me suis permis de venir jusqu'ici. Je regrette de vous déranger tous, mais je quitte la région aujourd'hui. Et je dois vraiment poser quelques toutes petites questions à monsieur Montreux, s'il vous plaît. Attendez ici. Mes excuses, monsieur Knight. C'est un très mauvais jour pour les visites. Je comprends. Je sais que ça ne vous arrange pas, mais je quitte le pays aujourd'hui. Et j'espérais inclure Serre dans mon article. Vous m'avez fait une très bonne impression. Ah oui? Absolument. Ce que j'aurais vraiment voulu, c'est emporter quelques bouteilles supplémentaires de ce Merlot. Mes éditeurs ne me laisseront pas lui attribuer 5 étoiles sans y avoir goûté. Et je vous promets que votre Merlot mérite au moins 5 étoiles. Je salue votre bon goût. Bien sûr que je peux vous donner quelques bouteilles de plus. Je vais demander à Marceau d'ouvrir la salle de dégustation. En fait, j'imagine que vous avez une cave à vin, non? Oui. Pourrait-on chercher les bouteilles à la cave? Ça me donnerait les éléments d'une introduction plus romantique à mon article. Je pourrais évidemment inventer quelque chose, mais comme vous l'avez si élégamment formulé vous-même, c'est dans le détail qu'on observe l'œuvre de Dieu. Je ne me souviens pas l'avoir dit, mais je ne saurais vous contredire sur ce point. Suivez-moi, je vais vous accompagner à la cave. Waouh ! Je savais que cet endroit serait exceptionnel. J'ai lu quelque chose à propos de mines romaines dans la région. Est-ce que cette cave a un rapport avec elle ? Non. Nous y voilà. Merlot 76. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. Le rapprochement que vous avez fait entre l'élaboration du vin et la reproduction humaine. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais c'est une analogie magnifique. Peut-être même une nouvelle approche pour mon histoire. Diriez-vous que ce Merlot est en quelque sorte le roi des vins ou juste un courtisan? Faites attention! Regardez ça. Bon Dieu que je suis bête. Non, je vous en prie. Ne vous dérangez pas, c'est... Aïe! Vous vous êtes coupé. Ce n'est rien. Vous me demandiez à propos du vin. Non, notre petit Merlot n'est pas un prince. D'un autre côté, vous ne le trouverez pas en cubiténaire. Il se laisse boire avec plaisir. Bien. Oh, mais regardez l'heure. J'ai un avion à prendre, il faut que... Merci, je trouverai la sortie. Bon sang. Eh, c'est ouvert. Oh là. Il y a quelque chose là-haut.
Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Des plus sacrés. Après cette nuit, les adeptes se rendront au Caire. Oh merde ! Hola, Monsieur Knight. Qu'est-ce que vous... Regardez, c'est l'homme du train.